Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour cet event Le Manoir des Quêtes en compagnie de Fioza, Youth et TVH. Coucou. Et comme vous voyez, nous jouons sur Ark, nous jouons donc au cloître. Je découvre tout doucement l'environnement. Parce que déjà ça lag. Je déconne. Moi ça va encore, mais c'est possible qu'il y ait des joueurs qui, effectivement, vu le nombre de structures, ça lag un petit peu. Donc nous sommes sur le serveur RP Ark, le serveur Gadu RP. Oui, salut Youth. Comment ça va? Ça gaz et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Donc je disais, on se retrouve pour cet event, le Manoir des Quêtes, qui est en fait un event un petit peu spécial, parce que c'est pas un event à proprement parler, c'est-à-dire un event éphémère, c'est quelque chose qui revient toutes les semaines, et c'est renouvelé toutes les semaines en fait. On va en parler justement juste après, c'est le but un petit peu de cette vidéo, c'est à la fois de découvrir comment ça fonctionne, et aussi de faire quelques quêtes aussi, puisque c'est le but de ce bâtiment et de ces events, entre guillemets. Avant ça, je précise que nous jouons sur le serveur Gadu RP, qui est un serveur public, sachant qu'il est décomposé en 3 clusters actuellement, donc c'est possible que ce soit amené à changer, donc allez voir en description de la vidéo le lien qui est le lien en fait du site web, où là vous aurez un maximum d'informations, ou bien le lien du forum, c'est la même chose, vous aurez les mêmes informations, mais en plus vous aurez les règles, et le mieux, c'est encore plus top, c'est de venir sur TeamSpeak, voir tout le monde, pour discuter avec eux, et c'est encore plus rapide que de lire directement le texte. Comme ça, on pourrait vous dire directement, bah va à telle page, tu auras telle info, etc. Vous pourrez poser des questions, on pourra interagir, vous répondre. Enfin voilà, c'est top, il y a un échange formidable. Et là, je parle que des règles, parce qu'après, quand vous serez in game, bah, si vous avez un problème, une question, quelque chose, bah on n'hésitera pas à vous répondre, tout simplement. Que ce soit d'ailleurs sur Ark ou sur les autres jeux. Voilà, donc c'est pour ça, vous n'hésitez pas à passer, le lien du TeamSpeak est en description. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, le serveur RP, là nous sommes sur le cluster qui est un cluster. Justement, j'allais dire fermé, mais en fait, c'est pas fermé, c'est privé. C'est-à-dire qu'il y a il faut faire une candidature en fait pour pouvoir rentrer dedans. Mais sur les 3 clusters, il y en a 2 qui sont ouverts à tout le monde. N'importe qui peut rejoindre, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. Vous rejoignez, voilà. Et si après vous voulez rejoindre justement ce serveur privé qui est plus RP, et eh ben vous n'hésitez pas, vous mettez une petite candidature sur le forum. Et il y aura un membre du staff, Ark évidemment, qui va venir vous parler et confirmer que vous pouvez bien venir dessus. Et puis il vous ajoutera, etc. Bref, je vous passe la partie technique. Mais disons que voilà, pour rejoindre, il faut donc faire une candidature. Donc nous jouons sur le serveur, donc la partie, donc le serveur RP, mais la partie privée qui est sur Valguero. Et en l'occurrence, il y a eu des bâtiments admin comme ceux que vous voyez devant vous là. Tout ça, c'est le cloître déjà. Alors allez voir la vidéo de présentation parce que sinon on n'est pas rendu. Hein. Mais c'est donc un bâtiment admin où il peut se passer plusieurs choses. Et notamment un peu une place du marché avec quelques magasins. D'ailleurs, c'est plutôt nouveau parce que ça, justement, on en parlait juste avant le début de la vidéo. Il y a des personnes qui louent, entre guillemets, des magasins pour pouvoir vendre quand il y a jour de marché ou quand il y a vente aux enchères aussi, parce qu'il y a des ventes aux enchères toutes les semaines. Enfin, il y a une monnaie, il y a plein de trucs. On va pas en parler. Allez voir la vidéo de présentation, sinon on n'est pas rendu. Mais dites-vous juste que les nouveautés, c'est que il y a des magasins donc qui sont loués par l'Aniakea. Ça te dit rien? C'était Gaïa avec son histoire de c'était pas d'étoiles et de cosmos et de tout ça. Oui, non, je me rappelle très bien, c'est juste que le nom, j'ai oublié. Pardon, Yut. En fait, c'est la grande entité cosmique dans laquelle on est, qui englobe la totalité de l'univers, des étoiles, de tout. Non, mais moi, je me souviens très bien quand on a fait la visite, parce qu'on a fait une visite, effectivement, on en a parlé. Donc, c'est pas le sujet. D'ailleurs, allez voir les autres vidéos, hein, les viewers, hein, si ça vous intéresse. Parce qu'effectivement, on va voir sa base. On va voir la base de plein d'autres personnes, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, je me souvenais juste que c'était pas l'Aniakea. Enfin voilà, de mémoire, il me semblait pas que c'était l'Aniakea, il me semblait que c'était un autre nom, mais c'est pas grave, j'ai peut-être tout mélangé, c'est pas le sujet, mais voilà. En tout cas, il y a donc Gaïa qui a un magasin ici, et il y a aussi le magasin du Skins qui le vend Skins. Des vêtements. Voilà. Ouais. C'est un et peu y dur en a à un dire, troisième. Mais. Ah, il y en a un troisième. Bah, tu m'as pas dit. Bah non, tu m'as pas laissé le temps de te montrer. Ouais, non, tu m'avais dit deux. Non, il y en a trois. En vrai, il y en a un autre, mais il est caché. Celui-là, je peux pas en parler pour le moment. Ah. Mais le attends, tu peux pas me faire le coup de. Alors, il y en a trois, mais je peux pas en parler. Parce que du coup, les viewers, ils vont dire mais dis-nous maintenant que t'as commencé. Il est trop bien, leur panneau. Le troisième, c'est le Dana Market. Donc, c'est sur le bateau qui se trouve là. Ouais. Et c'est un joueur qui. Enfin, c'est Naga qui fait des ventes et des achats de ressources diverses. Et du troc. T'as fait les gueules du bateau? Ouais. Pourquoi on n'a pas fait un event sur ce bateau là? Bah on pourrait hein. On pourrait.
Bon bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo, voilà, parce que ça c'est aussi en discussion pour les bateaux comme ça, parce que vu la taille qu'ils font, et je sais qu'en plus il y a des problèmes de structure, parce qu'on a besoin de plus de structure, donc oui. Ça c'est un sujet aussi qui est en cours, on essaie d'améliorer les choses, c'est un vrai bateau qu'on voit, hein. c'est pas, le pire c'est que ça, c'est un vrai bateau, il y a un bateau en dessous, c'est pas des structures qui sont colliées, hein. On est bien d'accord, c'est un vrai bateau. Ouais, c'est un bon vrai. Bref, c'est pas le sujet, je savais pas, en tout cas, le bateau magnifique. Mettez un petit pouce bleu au minimum pour ce bateau, quoi. Carrément. Je pense que c'est le meilleur bateau que j'ai jamais vu, hein, sur Arc. T'as vu la proue ou pas? Oui. Par contre, je la vois. Ouais, parce qu'il a pas encore trouvé de skin d'une femme assez grande pour faire le. Il faudrait que je lui fasse un skin d'une femme grande, une très grande femme. Ah oui. Pour que ça fasse mieux. Bon bref. En tout cas, magnifique, voilà. Il y a aussi des jolis drakkars, je vois ici à côté de la garrigue. Ça, c'est les canoës. Oui, voilà. Bon, ça, c'est les modes, etc. Pour la liste des modes, encore une fois, allez voir hein, sur le site web ou le forum, vous aurez les liens des modes directement. Ou bien, le plus important, passez sur Teamfix, je le dis jamais assez. Je le redis encore une fois. Bref, donc du coup, on va démarrer donc, cet event, le manoir donc, des quêtes, qui est un event qui est géré par Fiosa. Et donc, toutes les semaines, dans son manoir, là, elle rajoute des quêtes. Donc, trois quêtes. Vous avez la semaine pour les faire. Alors. Ça prend moins d'une semaine, bien évidemment. Et oui. Vous avez des récompenses. Alors, ce que vous voyez, là, j'imagine que les cas, c'est la récompense en dessous, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce sont des kips. La monnaie du serveur, c'est des kips. Ce que je dis très souvent, mais les kips, c'est une monnaie laotienne, mais ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit une unité, tout court. C'est comme un euro, un dollar, c'est un kips, tout simplement. Donc, c'est avec ça que vous échangez après d'autres choses. Donc, retenez juste ça, on s'en fout de savoir si, de quel pays ça vient à l'origine. Vous retenez juste que c'est une unité de monnaie, voilà. Donc, il n'y a pas les mêmes valeurs, comme vous voyez. Et puis en plus de ça, c'est toutes les semaines que c'est renouvelé. Nous, on va peut-être essayer d'en faire plus, on va faire ces trois-là, j'imagine. Oui. Peut-être plus, si on a le temps. Ça dépend aussi de la longueur de la vidéo. Ouais, ça dépend, celle de la semaine dernière, ouais. Voilà, parce que forcément, Fiosa, elle garde un petit peu ses quêtes, et puis... Alors, moi, je sais pas, j'ai aucune info là-dessus. Moi, j'ai pas voulu me spoiler, donc j'ai découvert avec vous, parce que c'est vrai que si on découvre déjà avant, forcément, ça va être plus simple. Donc voilà, je me suis pas spoilé. On m'a juste dit que c'était des quêtes qui étaient à faire. Possiblement dans le cloître ou à l'extérieur, mais en l'occurrence celle-là on m'a dit que c'était pas très loin. Je sais déjà que j'ai pas trop d'ellipses à faire, ça c'est juste pour une question technique, c'est tout ce que j'ai posé comme question. Du coup il y a Yud qui est avec moi, c'est aussi pour avoir quelqu'un avec qui échanger tout simplement, parce que normalement on n'est pas obligé de les faire à deux, on peut le faire tout seul, hein. C'est pas du tout normalement ça se fait solo, ouais. Voilà, c'est pas une obligation. Oui en tribe, mais généralement ça se fait solo. Voilà, donc du coup on va démarrer, si tu veux bien. Oui, si alors j'ai tout dit, coup... est-ce que j'ai tout dit avant qu'on démarre quand même, pour qu'on soit sûr. Tout est clair. Oui. J'ai pas dit de bêtises, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Et ben c'est magnifique, et ben c'est parti. Alors dis-nous tout. Alors du coup, dans le petit pupitre devant vous, il y a 5 journaux, donc les 5 quêtes disponibles. Donc vous pouvez commencer par celle que vous voulez. Okay. Donc là, actuellement, donc il y a comme généralement les joueurs, ils regardent ce qu'il y a sur le panneau et ils ont l'information que du titre. Ils n'ont pas d'autres informations quand ils commencent la quête. Bon, on commence par la moins chère. J'imagine que la moins chère est la plus facile. Ouais, c'est ça, c'est les plus faciles allez. À gauche. Alerte disparition, c'est parti. Alerte disparition, ouais. Vas-y. Vu que je sais pas du tout où je mets les pieds, tu vois, je préfère être prudent. On va commencer par un truc soft. Alors, je répète aussi pour les viewers, super important, comme pour les events, quand vous avez un bouquin comme ça qu'on vous donne, notamment par le staff, ne le jetez pas, s'il vous plaît, parce que sinon, Fiosa va devoir tout réécrire après. Donc, vous le gardez bien sur vous, vous le rendez directement, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, vous le perdez pas. C'est ça le plus important. Ok, c'est parti, j'ouvre le bouquin et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, alerte disparition. Un habitant du cloître a perdu son animal de compagnie qu'il chérit plus que tout. Poisson rouge a disparu il y a 2 jours. Il semblerait que certains habitants ont vu le poisson aux alentours du port. Retrouvez-le et amenez-le. Compétence requise, bon nageur et récompense donc 500 kips. Voilà. Il y a une deuxième page, c'est quelqu'un qui a cliqué parce qu'il n'y a pas de deuxième page. Hein, non, il n'y a pas de deuxième page, non. Et donc voilà, là, faut que tu reposes dans le pupitre. Aux alentours, il me semblait qu'il y avait un S aux alentours. C'est à votre tour. J'ai un doute, hein, mais c'est pas grave. Je peux pas m'en empêcher. Bon, allons-y. Go le port alors. Oui. Ok. Ensuite. Bah c'est là-bas, non c'est... On l'a vu il y a une seconde. Attends. Non, c'est pas là. Bah, c'est là. Ça doit être là. Voilà. Et ça doit être à droite après, puisqu'on a vu les bateaux. C'est pas par là. Ah non, faut passer par-dessus les. Ah, je saute. Ah là, là. T'es passé par-dessus les trucs. Ok. Bah parce que là, ça, derrière, c'est le shop. Le shop du cloître. Eh merde, je suis coincé. On est coincé. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, c'est le port, non, excuse-moi. C'était peut-être pas forcément une bonne idée. C'est bon, non, mais c'est on y est là, t'es parti où? Bah, c'est pas là le port. C'est pas le port, ça, c'est les magasins. Bah, en face, c'est les canoës et tout ça, c'est pas le port. Non, c'est les canoës d'exposition. Il y a peut-être un autre port.
magasin. Bon, bah, allez voir de l'autre côté. Hein. Et je sais, elle s'éclipse discrètement, donc j'imagine qu'elle va nous indiquer la route. Non, non, je ne dis rien. Ouais. Bon, ouais. Alors, déjà, il y a un truc très souvent, j'ai raison. Un port, c'est souvent près de l'eau. T'as vu ça? Et là, je pense que j'ai trouvé un port. Attends, c'est pas un port, ça. Il est où, l'autre, là? Est-ce que c'est un port ou est-ce que c'est un cochon? Ah bah, t'y arrives aussi, mais t'arrives par l'autre côté, ok. Autant pour moi, c'est bon, nickel. Oula. Attends, là, il y a un truc qui déconne un peu, là. Elle est seule, des fois, ça déconne un petit peu. Donc, nous voilà au port. Donc, il faut qu'on recherche un animal de compagnie qui s'appelle Poisson Rouge. Il faut être bon nageur. Et on aura 500 kips. Alors, la question, c'est comment on va chercher ce Poisson Rouge? Alors, je sais pas. Dans le livre, c'est marqué que des gens l'ont vu près du port. Donc, est-ce qu'il faut trouver quelqu'un ou est-ce qu'il faut directement trouver le truc? Je vais aller voir dessous déjà. Oula, ça me paraît pas très naturel tout ça. J'imagine bien qu'il faut pas pêcher. Je pense pas qu'il faut pêcher. Pourquoi il faudrait pêcher en fait? Du coup, ce serait pas le même poisson, ça n'aurait pas de sens. Pour moi, c'est soit un poisson qui... Bah, il faut comprendre, c'est déjà la quête. Est-ce que c'est un poisson qui est enfermé dans une cage dans l'eau, en fait? Tu vois? Je crois que je l'ai trouvé. Attends, je vais voir jusque là-bas. Ou est-ce que c'est une métaphore et en fait, ce n'est pas du tout un poisson? C'est un bateau. Non, non, non. Pas un poisson. C'est pas un poisson? Non. Non, j'ai vu un caillou au loin, mais comme j'étais loin, en fait... Je dis, tiens, il sort du loup. Et pas de loup. Poisson rouge. Est-ce que c'est pas un bateau qui s'appelle Poisson Rouge? Il est appelé Poisson Rouge. Non, un animal de compagnie. Oui, c'est vrai que c'est un animal de compagnie. Donc, en toute logique, c'est quelque chose de vivant. C'est vrai que c'est un animal qui est caché. Mais après, attention, c'est une quête que n'importe qui peut faire. T'imagines bien que s'il y a deux personnes qui la font en même temps, du coup, il n'y en a qu'un qui peut récupérer quelque chose? C'est possible, mais on va juste ramener un poisson. Hein, parce que, enfin, un... Une Ou fois, si... Poisson Rouge. Ou sinon tu pêches jusqu'à ce que t'aies un poisson rouge. Hein? Bah... Ce serait con ou pas? Il n'y a pas du poisson rouge, on leur ramène poisson rouge. Ouais, mais en théorie, ton poisson ne va pas s'appeler poisson rouge. Bah je crois pas qu'il y ait de poisson rouge sur Ark, malheureusement. Sur Minecraft, je crois qu'il y a des poissons clowns, non? C'est pas ça? Il y a des poissons clowns, ouais. Oh. Est-ce qu'on aura de menacer la dame pour qu'elle parle? Non. C'est interdit de menacer les dames. Ah mais attends, dans les nas. Tu vas parler. C'est comme Nassarix et Bélix, tu sais, les baffes. Oui. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah, je peux dire que ça marche sur Fiosa. Bah non, en fait, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que ce serait pas la bougie qui s'appelle, tu vois, Poisson Rouge? Je sais pas, je dis une connerie, j'en sais rien. Non, ah bah quand même. Non mais après, je joue volontairement con, parce qu'il y a des fois, c'est... On est trop malin pour réfléchir. C'est ça, c'est exactement. Il y a des fois en fait c'est tout simple, mais comme on cherche super compliqué, je me dis bah. Faut juste un truc qui est moins réfléchi que ça. Et du coup, les poissons ça se trouve où généralement? Bah, dans l'eau en général. Voilà, donc déjà vous Est-ce qu'il y a un poisson qui est enfermé dans une cage en fait? C'est ça la question au Yut que j'ai dit. Non. Le problème c'est que si on fait ça. Que si... Attends. Est-ce que le truc est là-bas là, Yann? Non, c'est un animal qui est mort au bout là-bas, qui est rouge là, c'est un truc plein de sang. J'imagine. Après, en fait, le truc, c'est que dès que tu t'éloignes un tout petit peu du port, il y a des cnidaria, il y a des mégalodons. Il n'y a pas besoin pas de trop... s'éloigner. Ouais. Ouais, il suffit juste de trouver au bon endroit. Faut être un bon nageur quand même, hein. Je nage comme une merde. Tiens, je crois bien que j'ai trouvé. C'est vrai? Ouais, j'ai trouvé. T'es sûr? Oui, absolument. T'as trouvé un poisson rouge? Je te laisse me rejoindre. Putain, hé. Je sais pas, je crois qu'il y a un pétrolier qui a coulé dans le coin, parce que tu verrais le nombre de pétrole qu'il y a. Ouais. Au prix où ça se vend actuellement, putain, ramassez-le, hein. Remonte sur le ponton. J'arrive, je suis là. Alors, je pense que je peux pas revenir près du ponton, il va falloir que je trouve un petit escalier ou un petit caillou pour remonter, parce que c'est trop pour moi, à mon avis. Voilà. Là, la petite marche là, du caillou, là, j'imagine que je pourrais. Coucou. Coucou. Viens, viens donc. Là-dessous, ok, là dans le coin, regarde. Ah ouais! Il y a une taxidermie de poissons. Ah, tu vois, je m'attendais, tu vois, à une cage, donc effectivement, je pouvais toujours chercher. D'accord, il s'appelle Poisson Rouge? Bah, le derme qu'il y a dedans, oui, il s'appelle. Il s'appelle Mannequin d'entraînement. C'est pas. On m'aurait menti! Attends, je vais respirer un peu, parce que j'ai pas eu comme une merde. Ah non, ça, je suis un infini stat, j'avais oublié. Alors, je suis un infini stat, pourquoi? C'est juste parce que, pour éviter de manger pendant l'event, en fait, hein, les viewers. Normalement, vous devez manger et boire, bête, évidemment. Je vais faire la même. Non, c'est pour éviter, en fait, de perturber la vidéo, c'est tout, c'est pas pour autre chose. Hein.
Parce qu'aller chercher un peu de quoi bouffer, c'est quand même pas un problème. Je prends donc un derme poisson rouge, c'est ça? Il n'y a pas de problème? C'est ça. Ok, merci. Donc, alors, est-ce que je le prends ou je le laisse là? Oh, tu peux le laisser, je sais qu'il l'a trouvé. Le but, c'est le ramener au manoir des quêtes et puis c'est validé. Quoi. Ça t'éviterait de le ramener, effectivement. Donc là, effectivement, j'ai mis dans mon derme, je l'ai reposé, comme ça, ça t'évite de le reposer derrière. Voilà, ça c'est fait. Nickel, et bien dans ce cas-là, donc vous retournez. Alors vous avez vu, hein, vous avez une semaine pour faire ça. Alors, vous prenez votre temps, vous faites comme vous voulez, vous prenez dans le sens que vous voulez. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous avez une semaine, c'est si vous avez envie. Hein. Si vous voulez rien faire, vous faites rien, hein. C'est votre choix. Hein. Tiens, Yout, tu tombes hyper bien. J'avais complètement oublié tout à l'heure. Tout ça, donc, c'est pour toi. Ouais, je m'en vais. Voilà. Yout, il est bien mes petits sacs, comme ça, je lui donne très souvent. D'accord, ok. C'est pris. Ouais, non, c'est dommage. Je... Ok, c'est... Attends, pourquoi il... Ok, il y a une petite cloche qui a sonné. C'est moi. Je vais aller jouer. Ok, donc, là, on est censé poser donc dans le pupitre le derme. Ouais, qu'on ne va pas poser, bien évidemment. Ta récompense. Et tu nous donnes donc 5 pièces de dragon, c'est ça? De Rex. Ah, c'est pas de dragon, ça a changé depuis le nouveau, ouais. Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Avant, c'était dragon. Ouais. Ça a déjà changé depuis un an, mais... Bon. Oui, avant, ouais. Je m'en rappelle encore, mais c'est pas grave. Alors, donc, du coup, voilà. Donc là, vous obtenez donc 500 kips. Et c'est 500 kips, on fait quoi avec 500 kips? Bah, on peut acheter des décorations, on peut acheter... Ah oui. Quelques petites choses. Des arbres. Il y a le Interfiosa que vous devez aller voir, les viewers. Ça, on a oublié d'en parler. Donc c'est là, en fait, où il y a... En gros, c'est un jardin témoin. Vous avez plein d'objets. Et en gros, il y a le prix qui est mis dessus. Vous pouvez avoir le même, en fait, pour le prix qui est indiqué. Voilà, ça. Et en plus, elle vous le livre, Fiosa. Très gentille. Ça arrive, oui. Enfin, je les envoie par ballon volant, pour ceux qui ont des grosses commandes. Voilà, donc c'est... Bon, je trouve ça super, en plus, je trouve ça génial. Moi. Mais voilà, comme ça, au moins, les viewers sont informés de comment ça marche. Ok, on va faire une quête suivante, si tu veux bien. Donc, il y a la tour infernale, en deuxième, si vous voulez. Alors, moi, je connais la tour infernale, mais c'est peut-être pas la même tour infernale qu'on connaît, toi et moi. D'accord ? Ouais, c'est Montparnasse. C'est le tout beauté. C'est comment il dit, sinon je fais un trou dans la tête à la main. Oui. J'ai oublié ça. Alors, on prend donc le deuxième bouquin, la tour infernale. Ok, c'est parti. La tour infernale, la porte de la tour sud du cloître qui sert de débarras, a été verrouillée par erreur par l'ancien concierge. Avant de partir, il m'a dit qu'il avait laissé un parchemin déchiré en 4 morceaux dans la tour avec le code inscrit dessus. Trouvez le code et... dérouiller la porte supérieure de la tour. Compétences requises, agilité, souplesse, équilibre et récompense 750 kips. Pas de problème, on va dérouiller la porte. Parce que des kips, il y a deux S, il y en a beaucoup. Oui. Je sais, ouais. Non, tu penses par contre à remettre le V parce que c'est dérouiller. Ouais, il y a supérieur, il y a un E parce que c'est la porte. Bref. Par contre, excusez-moi. Le souci, c'est que je sais pas si vous allez pouvoir la faire à deux. Vous allez voir. Ah, bon, Yout va regarder. Voilà. Je vais regarder, ouais. Voilà, exactement. Il aime bien regarder, Yout. C'est amateur. Donc c'est ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, déjà? Ouvre des parchemins. Allez, file. Putain, la vache, il faut grimper. What? On peut grimper là-dessus. La tour infernale. Eh ben putain, alors là, pour le parcours, moi qui adore le parcours. Bah moi je vais regarder. Putain, on est pas dans la merde. Attends, est-ce que... Oh là putain, oh là je saute. Oh, le problème c'est qu'en plus je connais pas la hitbox des objets, donc du coup j'imagine qu'en face je peux pas sauter. Vas-y, ça passe. Ça passe, par contre là, ça va être gêné là. Comment on va pouvoir se... Voilà, le problème c'est qu'il faut bien regarder comment les objets sont posés, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs choix. Alors on peut passer à travers le museau visiblement, donc c'est-à-dire que tout droit on pourrait sauter sur le canapé. Ouais, ça marche, ok, yes. Ok, ensuite. Donc voilà, vous avez vu les viewers, hein, pour quelque chose qui pourrait vous prendre peut-être un quart d'heure, parce que j'imagine que ça prend après un quart d'heure. 10 minutes, enfin voilà, quelque chose d'assez rapide. J'imagine que Fiosa, elle a passé plusieurs demi-heures, voire heures, j'imagine. Je dis demi-heures parce que je me dis peut-être qu'elle a passé que. Peut-être qu'elle a passé que 2 heures, mais. Le problème, c'est que t'as dû les positionner, donc je suppose qu'il y a des sols, etc., qui ont dû te placer stratégiquement. Ouais, certains endroits, ouais, pour que ça tienne. Ouais. D'autres objets se mettent les uns sur les autres, mais. C'est bon, c'est ça qu'il fallait faire, je pense. Ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Tiens, faut t'asseoir dans le truc.
Et là, maintenant, il faut que j'aille en face. Alors, attends, le problème, c'est que j'ai pas trop envie de m'asseoir sur le truc de Rockwell. Là. Ah non, vous voulez pas s'asseoir. Alors, je me suis assis sur le canapé pour réussir à passer. Il y a une bouteille à la Frober, là, ici, là. Il n'y a pas un parchemin dedans, là. Ah, si. Tiens, t'as vu. Point, 3. Putain, attends, t'es en train de me dire que c'est la dernière, donc c'est-à-dire qu'il y a encore... Il y a encore trois autres symphonies de Beethoven à trouver. Exactement. T'as comment qu'on va faire, alors. Là, en l'occurrence, c'était la cinquième et non pas la quatrième, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'aller devant, voilà, ici. On sait jamais. Maintenant, j'ai pas envie de me vautrer, et ça, je sens le vautrage. Il faut chercher les petites bouteilles. C'est quoi le truc là qui est là. T'as, elle nous a fait des freueries aussi, la Fioza. J'ai une autre bouteille un petit peu. Ça aussi. Fait des fioiseries. Oh putain. Par contre, comment tu fais quand t'es ici? Parce que moi je suis coincé ici. Là. Tu fais pas? Il y a pas en dessous là? Ah, non, parce que ça c'est le truc con, c'est que tu cherches, mais en fait. Il y a une porte en bas. Il y a une porte en tout cas qui est là. Bah c'est ce que je me dis en fait. Imagine que. Je sais pas, j'ai raison. Tout en bas il y en a une. Bah en fait ça m'étonne pas. Je cherchais pas forcément en bas, je me suis dit qu'il fallait grimper. Comme on, là on a eu le quatrième code, j'imagine que les trois autres ils avaient été au milieu à tous les coups. Et c'est. 1 point point point. 3. Par contre, ouais, t'en as une un peu au-dessus de ta tête. Alors, tu peux pas la voir comme ça. Bah en fait, là, j'en vois une là qui est à l'intérieur. Alors, ce n'est pas une ça qui dépasse là. On dirait c'est un filtre de je sais pas quoi, mais je pense que ça, c'est un objet, le truc que vous voyez en face. Je sais pas si. Ça pas une bouteille, mais. Le problème, c'est que quand je suis ici, je fais quoi en fait? C'est ça le truc. Je pense que je peux plus grimper après, on est d'accord. Je pense que le point partout, triangulaire mais... là. Ah, tu vois, j'ai tombé là. Ah, tu vois, regarde le triangle là. Où je suis là? Du trône jusqu'au triangle là. Comment t'as fait pour aller là, toi? Bah, depuis le trône. Ah, bah tiens, depuis le trône. La tour de l'enfer. Alors, je vais essayer le coup parce que ça avait marché tout à l'heure. Je recommence, hein. Par contre, après, je crois que j'arrive en. Qui marche. Peut-être que. Ouais. Oh! Non, c'est bon. Je pense qu'il faut grimper en haut. Hein. Je pense que en haut, je suis sûr qu'il y a encore un autre truc parce que là, il me paraît d'avoir beaucoup de tables. Par contre, comment y aller en fait? Parce que ah si, là, peut-être on peut aller là. Ouais. Maintenant, tu peux sauter sur le petit coin, le petit triangle de la fonda. Ouais. Ouais, c'est bon. Et effectivement, il y a une bouteille. Donc là, c'était le 1, c'est ça? C'est ça, non, c'est non, ça non. Que t'as eu, hein? Non, c'est pas ça. Non, le 1, il est en ailleurs. Ok. Comment on l'a par contre du coup la bouteille qui est là? Parce que j'aurais pas à la voir, moi. Ah, c'est bon. Si je peux la voir, c'est bon. Nickel. Et donc là, dedans, il y a point 3, point point. Donc ça fait 1, 3, 1, 3, 3. C'est ça, 1, 3, 3. Point, 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 3. Bon, c'est bon. Donc il nous manque une lettre. 1, 3, point, 3. Est-ce qu'on peut aller encore au-dessus? Ouais. Ouais, on peut aller au-dessus. Attends, j'arrive à grimper là. J'arrive à grimper. Attends, peut-être qu'en passant un croupier. Ah, ça passe pas. Faut se méfier aussi parce que je sais que Fioza, moi, par expérience, je sais qu'elle cache des choses dans des frigos, dans des coins. Tu vois, il l'a encore en travers celle-là. Hein. Ah, ouais, celle-là, vous irez voir un event là. Je me suis fait avoir. Ah, par contre, là, j'ai l'impression d'être un peu coincé. Attends, est-ce que je peux m'allonger ou quelque chose? Est-ce que je peux faire ça? C'est de reculer un petit peu. Je vais pas m'allonger. Est-ce que je peux me redresser? Non plus. Je vais devoir tomber sur le triangle en fait ici, voilà, pour pouvoir me redresser. Voilà, parfait. Je retourne ici. Je m'allonge carrément, je sais pas. Oula, alors je peux aller là. Par contre, je peux pas. Si, c'est bon, je peux m'allonger. Je peux pas passer. Je ne peux absolument pas passer. Comment je vais faire? Parce que là, il faudrait que je tombe là, mais sans tomber en bas, parce que sinon, c'est la merde. Voilà, c'est bon, nickel. Ok, et là, on peut pas. Est-ce que je peux. Ah, si, là. Comme ça. Est-ce que tu vois la dernière bouteille? Attends, je suis en haut, je suis totalement en haut, ça y est, j'ai réussi. Elle nous a dit de pas nous asseoir dans les 1, hein, menteuse. Alors, j'ai réussi à faire le tour. Attends, je fais le tour. La dernière bouteille, là, c'est bon, j'ai la dernière bouteille. Parfait. Elle était cachée tout en haut, vraiment tout en haut. Hein. Donc là, c'est un 1. Je m'en doutais un petit peu. 1-3-1-3. 1-3-1-3. 1313. C'est ça, tout à fait. Et là, on a une porte en haut. Hein. Je sais pas si c'est cette porte-là qu'il faut ouvrir. C'est pas ça? Oui. Bah, vas-y. Hop là, j'essaie de pas me montrer là. Donc 1313. Bingo.
Ah, ça coince, ça coince. Ça coince. Ça coince. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ah là là, c'est bon. J'ai cru que j'y arriverais pas, là, attends. Oh. Ils ont pris la porte. Bon, bref, excuse-moi. Donc, oh. En vrai, ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait Je crois qu'on l'a fait en même temps. On a donc cette... Qu'est-ce qu'il y a... Elle essaie de courir, tu sais, il y a Yut et moi de chaque côté qui la retenons. Du coup, elle patine, elle essaye, mais elle patine. Donc, 1313, ce qui, du coup, on obtient le code, on obtient du coup les sous à 750 kips. C'est pas ça? C'est ça. Voilà, mais par contre, pourquoi on est là? Parce que là, il faut qu'on se barre maintenant. Pour redescendre. Oh, tout ça, c'est le manoir. Ah, ça, c'est le cloître. Attends, la vache, je savais pas qu'il y avait un étage au cloître. Ah oui, tu verras. Voilà, ça, ça brûle les yeux. Bon bref, on ira voir ça peut-être après, hein, du coup. Oui. Ça veut dire qu'il y aura forcément une quête ou... Attends, comment ça le roi Spyro? Ben ils seront pour qui, lui? Non, parce que nous avons des rois sur les villes, des rois et des reines, et actuellement c'est Asphy. Et pourquoi il n'y a pas ma photo là, là? Ah bah parce que t'es pas roi. Parce que t'es pas roi, t'as jamais gagné. Regarde, je souris, tu peux dessiner, vas-y. On peut toujours essayer. Donc c'est par là la sortie. Ah c'est pas par là. Bon, je ressens derrière moi pour les courants d'air. C'est parti où? Non, activation c'est des cloches. Bah on est au niveau des cloches. Ah non. Ah c'est bon. Bah, non bah on est en bas, c'est bon, on est en bas. Ah, c'est bon hein. Okay. Par contre je pense qu'on pouvait faire le tour effectivement par le. Au-dessus de la porte là. Au-dessus, oui. Ouais, bon c'est pas grave. Ok, donc on a 750 kips. Donc là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On donne juste le code et tu nous donnes 750 kips, c'est ça? Même pas, je regarde si vous avez ouvert la porte et puis c'est bon. Oui, bah pareil, forcément, oui, ça revient après quand même. Voilà, donc pour les viewers, c'est quand même plutôt simple. Et on va donc faire la troisième de cette semaine, en tout cas, c'est la Da Vinci Code à 1200K. Oui. Donc là, ça va se dire compliqué, Yuta, attention. Oui. Hein. On augmente le niveau au fur et à mesure. Hein. Ah là, c'est la plus dure, je crois que j'ai jamais faite. C'est bien que tu le dis. Et Yuta, tu vas y arriver ou quoi? Aucun problème, j'ai vu Da Vinci Code au moins 3-4 fois. Eh, tu sais que j'ai jamais vu entièrement, j'ai vu que le début, Bon bref, il y a toujours quelque chose. C'est parti. Da Vinci Code. Une artiste est passée au cloître il y a quelque temps et a décidé de laisser un petit cadeau afin que chaque habitant de l'arche puisse découvrir les moindres recoins du cloître. Suivez la piste des tableaux et trouvez un lieu caché du cloître. La première étape de votre visite commence au premier étage du manoir des enquêtes. Notez bien chaque code inscrit à côté des tableaux. Compétences requises, patience, réflexion, sens de l'orientation. Tout ce qui me caractérise parfaitement, et non pas Yout, donc ça tombe hyper bien. Et donc on gagne 1200K, et en plus j'en profite pour dire que tout ce qui est chaque quelque chose est forcément singulier, puisque c'est chaque. Il y a un par un. Chaque habitant, il n'y a pas de S. Bref. Tu peux répéter l'énigme, j'écoutais pas. Tu peux lui mettre une baffe, Fusa, s'il te plaît. Attends, c'est combien la baffe? Rien du tout. Est-ce que sac à merde c'est une insulte ou non, je... pour ceux qui ont la référence hein. Voilà, alors je remets dans le bouquin, je leur lis une fois d'abord pour Yout, voilà. Je leur lis assez rapidement pour lui sur les pieds. Une artiste est passée au cloître il y a quelques temps et a décidé de laisser un petit cadeau afin que chaque habitant de l'arche puisse découvrir les moindres recoins du cloître. Suivez la piste des tableaux et trouvez un lieu caché du cloître. La première étape de votre visite commence au premier étage du manoir des enquêtes. Des quêtes. Notez bien chaque code inscrit à côté des tableaux. Ok, donc nous on suit les tableaux, en fait dès qu'on trouve un code, ça marche. Et ben on note et à la fin on a le code j'imagine. Ok, c'est et bon. Et à la fin vous verrez. Et à la fin on verra. Donc je remets le livre, qui n'est pas du tout dans le même ordre du coup, parce que j'arrête pas de changer les livres, hein. C'est pas grave ça. Oui c'est pas grave. Donc je vous précise que le premier tableau donc c'est bien celui-ci. Et celui-ci n'a pas de code, c'est normal. Et le dernier tableau que vous trouverez n'aura pas de code non plus. Mais les autres en ont. Merci de préciser, donc il faut donc voilà. qu'on trouve 4 tableaux Yut. Ouais, non. Ben... Enfin, vous verrez. Elle a tout dit. Ben non. Si le premier et le dernier n'ont pas de code, il y en a 6 qui a dû. Mais tu vois, ici là. Les 4 minutes, tu reconnais dire. Oui. On y retourne. Alors, juste une seconde, parce que moi j'aimerais bien quand même comprendre au-delà de ça. D'accord. Je veux juste, en fait. Ah, je observe aussi un peu, parce qu'il y a des choses qu'on doit après y revenir, tu vois. Ok, c'est bon. Ouais. Non, ouais, si tu veux. Ok. Je suis, mais je sais pas du tout où tu vas là. Donc c'est toutes les portes qui sont déverrouillées, c'est des endroits où vous avez le droit d'aller.
celles qui sont verrouillées, c'est pas pour vous. Il y a quelqu'un. Ah, excusez les petits lags, les vieux, hein, je fais ce que je peux, mais en fait, je suis revenu exactement dans la pièce où on était, mais c'est pas grave. donc c'était... On était sûr qu'ils savaient pas. J'ai fait des sauts de fou et toutes ces super limites. En fait, je reviens exactement où on était. Donc, on est censé normalement retourner, puisque la pièce qu'on a vue tout à l'heure, hein, elle est dans quel bâtiment du coup ? C'est pas activé. Si. Enfin, pour moi, si. Ah, si, bah, c'est bon, on avait au même point. Nickel. Donc là-dedans. Je suis là depuis un moment, Gadu. Là-dedans, on est censé trouver un code. Oh ! Ils ont fait comme la tête chercheuse dans Fort Boyard. Faut faire la somme de toutes les de tous les tableaux. Yout ? Ouais. T'es parti où, toi ? Ah, je suis à côté. Tu vois ce qu'il y a devant moi, là, en bas ? Mm-hmm. Oui. Tu vois le 5678 ? Oui, je le vois. Ok, tu l'as noté ? Non. Bah, tu l'as noté. Et... Attends. Et moi, pendant ce temps, j'observe donc le deuxième tableau. Donc, nous avons un couloir avec deux personnages à droite et à gauche, avec une lumière entre les deux. Celui-là, il ne semblait pas l'avoir vu. On va essayer pour essayer de le trouver. Donc, deux lumières et un personnage à droite et à gauche. Là, on dit. Ne restons pas vus, sinon on n'est pas rendu. Ce n'est pas chronométré, les viewers, hein, mis à part que vous avez une semaine pour le faire. Là, ça aurait pu coller, mais en fait, non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Je poursuis. Là, c'est fermé à clé. Je pense que c'est d'où on venait. Hein. Là, on a pas droit d'aller. Là, on peut aller. Tu me dis à quoi tu trouves un couloir. Oui, oui. Comme j'en devais le du coup, je m'amuse à... Oula. Là, là, il y a des bains à prendre. J'ai trouvé le jacuzzi. Jacuzzi. Voilà, c'est à côté du gros canon, le jacuzzi. Ils ont mis un gros canon à côté d'un jacuzzi. Ah là là. Bon. On a pas envie de grimper, je pense, sur les rampes pour essayer de grimper, ça passe pas, ça. Ok, donc là, on oublie. Ici. Ici, on peut aller. Est-ce qu'on a été ici ? Ah, là, il y a un code, mais ça, je pense que c'était le code. Allez, c'est d'où on vient. Donc c'est 1313 le code, ça je sais. C'est très joli en tout cas, magnifique le cloître comme il est disposé. Je vous laisse apprécier comme les images, les viewers, parce que là, notamment ça là, c'est magnifique. Bref, ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que là, moi je. Alors. Non, pour... pas du tout. Ok, par là. Je suis en train de faire en fait les allées autour du cloître parce que je crois que. Une allée comme ça avec les lampadaires, c'est tout ce qu'il y a en extérieur. Ah, moi j'aurais dit que c'est en intérieur. Ouais, donc je rentre pas justement vers le magasin, il semble que c'est comme ça, ouais. Vu comment c'est disposé, pour moi, forcément c'est un intérieur. Parce que sinon, t'as un mur à droite et à gauche. Là, il y a aussi des valises. C'est très très bizarre. Ouais, mais même à l'extérieur, tu peux trouver ça. Et je crois que j'ai trouvé. Viens à la place de des ventes aux enchères. Ouais. Je crois que c'est là les ventes aux enchères. C'est pas là les ventes aux enchères. Ça a changé. Faut descendre. Faut descendre. Ouais, ouais. Là. Je te double. Vas-y. Ah ouais, t'es carrément là-bas, toi. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, je confirme. Gents pour gentlemen et ladies. Ladies. Je peux aller dans le truc des dames ? Oui. Oui, c'est fait exprès. Il faut que les gens, ils ne peuvent pas y aller. 4215. C'est le mur 2 ? Ouais, 4215 sur le mur 2. Et là, nous avons un mur clairement extérieur. Parce que nous avons un mur à droite et nous avons de l'herbe, en fait, et des arbres à gauche. Voilà. Là, essaye de mémoriser. Prends une photo. Fais ce que tu veux. Non, de mémoire. Regarde, il y a un petit truc à droite, t'as vu ? Il y a une espèce de... C'est un quoi, mur, une colonne. C'est une colonne, ouais, mais c'est une colonne qui est en premier plan ou c'est une colonne qui est contre le mur ? Je crois qu'elle est en premier plan. Premier plan, ouais. Donc en fait, on a une espèce de...
de cour intérieure, tu vois. Jardin. Derrière, on dirait que c'est l'extérieur du cloître. C'est, on voit l'eau. Hein. Il me semble que ouais, la rive est proche. Je dirais que c'est plutôt côté ouest de l'île. Alors, il y a le jardin du cloître qui est ici. Est-ce que ce serait pas dans le jardin? Non, côté sud, pardon. Ah, quoique, ouais, peut-être côté ouest aussi. Attends, là j'ai un plomb qui... Il y a l'eau qui coule, t'as dit? Parce que là, dans le jardin, j'ai plusieurs spots qui pourraient correspondre. Donc clairement, on a un bouton premier plan. Là où je suis, là par exemple, là, il y a un bouton premier plan et derrière, t'as de l'air, t'as des arbres. Tu vois, ça pourrait coller ici, non. Mais alors, par contre, pour le coup du poteau, je suis à peu près sûr que c'est une voûte qui le fait. Parce que les voûtes là, elles ont clairement un poteau, enfin un mur une arche, vertical. Tu veux dire ? Ouais, une voûte, quoi. Oui, une arche, mais si tu veux. Ouais. Et donc du coup, faut chercher des voûtes en fait, parce que bah, là où je suis en fait, ça pourrait correspondre, mais ça correspond pas parce qu'il n'y a pas le colisée derrière. Enfin, c'est ce que j'appelle le colisée. Et c'est clairement un gros poteau. Donc en fait, il faut que ce soit une arche. Parce qu'à part ça, est-ce qu'il y a une autre structure qui pourrait faire l'affaire ? Ah, par contre, on va voir de moins en moins. On va essayer encore de le faire tant qu'on voit encore un peu. Alors pour moi il faut chercher quelque chose qui est à l'extérieur. Alors, on va arrêter de chercher à l'intérieur. Parce que là c'est clair qu'on va pas le trouver. Je sors donc un peu, donc ici il n'y a rien. Le cloître, je vous rappelle, hein, pour les viewers, c'est public. Hein. N'importe qui peut venir en fait. Même des seuls qui sont vides. On peut pas rentrer. On peut rentrer là. J'allais au hasard. Oula. Ok. Donc là moi j'ai trouvé un espèce de restaurant. Tout est vide, mais j'ai trouvé un restaurant. Et là je vois qu'il y a une porte au fond là. Attends, mais c'est étonnant, il vaut tout. Bah je crois que je suis dans un magasin là. Tout se comprend. Voilà. Oui, non, mais le magasin. Pour commencer. Okay. Là justement je suis à Interfiosa. Je pense que c'est une voûte, hein. La voûte comme elle est disposée, le mur, je te dis à droite, moi j'imaginerais bien en fait t'es dans la voûte et tu regardes en fait les arbres qui sont derrière. C'est ça qu'il faut que je cherche en fait. Parce qu'après je regarde. Il me semble que la voûte est quand même un petit peu plus loin. Bah si tu regardes le poteau, j'aime bien retourner quand même pour voir. Là j'ai fait le tour de pas mal de choses. Pour moi, tu sais, c'est les cadres de porte qui font 2 de large par 2 de haut ou 1 de large par 2 de haut. Ah, ce serait possible aussi, effectivement, ce serait possible. Il y a du mode. Il y a si effectivement une. Ouais mais non, parce que regarde, les portes, enfin je sais pas si on parle de la même chose, les encadrements de porte. Il y a des briques effectivement à droite et à gauche, sauf que la différence c'est que les murs, il y a un large, un pas large, un large, un pas large. Alors que les voûtes, c'est que un, c'est toute la même largeur. Ouais, si ouais mais tu peux faire ça avec un pilier aussi. Alors, je vais retourner voir, oui tout à fait, on va retourner voir un petit coup là pour bien mémoriser. Alors, il y a un truc qui est important à noter là sur cette voûte là, c'est que elle n'est pas divisée en plusieurs blocs. Il y a c'est un poteau tout court. Il y a pas trois pierres sur le poteau, tu vois, c'est un poteau tout court vertical. Et ça, je l'ai pas vu. Donc c'est soit du bois, soit de la pierre, mais tu vois, il y a pas plusieurs pierres, il y a un seul morceau, quoi. Ok. Et derrière, on a un mur. Faut bien repérer le mur aussi. Et non, c'est quoi qu'on a à droite? C'est quoi qu'on a... C'est pas le port là qu'on voit au bout là? Bah, c'est ce que j'aurais dit le port. Et il y a un banc devant. Il y a un petit muret avec un banc. Il y a un petit muret avec un banc. Donc cherche un truc qui fait c'est un muret. Clairement on devine pour les viewers, hein, je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a des briques. On dirait qu'il y a un banc, on dirait qu'il y a des briques et qu'il y a un mur d'un côté, un banc, des briques et un autre arbre. Et il y a des fleurs, hein, évidemment rouges à droite et à gauche, mais ça c'est pas. Voilà. Donc là on est rendu en pleine nuit, ce qui va être très compliqué. Tu veux que je vois pour mettre le jour? Moi je veux bien que tu me donnes une torche éventuellement, s'il te plaît. Ouais. On va essayer de faire comme pas ça. Des bâtons lumineux. Alors les bâtons lumineux, faut pas se planter, ça à peu près il reste dans le champ de vision en fait pendant 10 ans. Ah oui, ouais. Donne une torche, c'est à l'ancienne, vas-y donne une torche. T'inquiète pas, c'est parfait. Si tu veux bien. Donc les viewers, hein, pensez si vous faites les quêtes à venir avec vos propres torches, parce que là, bon, ça elle est gentille, on donne c'est pour la vidéo. Mais normalement elle est pas censée le faire. Enfin, après elle veut le faire par gentillesse, je sais pas. Si elle est gentille, c'est une autre histoire ça. Voilà, pour ceci. Et donc, j'ai la torche là. Parfait. Bien. Donc, essayons de rechercher donc. Voilà, un muret comme ça, exactement comme ça. Attends, Yut. T'as trouvé ? Non, il y a un muret qui pourrait correspondre, mais c'est pas ça. Donc, il y a clairement un mur au bout, parce que là, j'ai trouvé en fait un muret avec un banc devant, c'est exactement ça. Donc, cherche en fait un mur vertical avec un muret.
et on l'aura le truc. J'aurais vu si je trouve des bancs ou comme ça. Il y avait clairement de la verdure, donc il n'y en a pas 10 000 non plus, j'imagine. Faut quand même chercher, hein. C'est quand même un peu un labyrinthe. Ici on n'a rien. Ici on n'a rien. Je vais par là. De nuit c'est intéressant aussi, c'est pour ça que je suis très content tu vois, de le faire de nuit. Et puis en même temps, au moins ça triche pas, parce que les viewers et les joueurs ils doivent le faire de cette manière-là. Si ça pourrait correspondre, là on a un joli mur à droite. Sauf que là c'est pas un mur en pierre, c'est des murs en haie. Donc c'est pas là. Malheureusement. De l'autre côté quand même, je vais aller voir si vite fait on voit quelque chose. Non, après c'est le bateau. Si je vais par là, j'imagine qu'il n'y a plus rien. Je fais le tour quand même. Donc je pense que c'est dans le cloître, mais dans le cloître, à l'intérieur du cloître. Jamais vous voulez un petit indice. Non, pourquoi tu donnerais un petit indice? À moins qu'on soit vraiment à l'ouest, mais je pense qu'à force de chercher, on va trouver. Hein. Sauf qu'on est deux, hein, je rappelle. Donc, vous êtes déjà passés à côté tous les deux au moins une fois. J'imagine. Vu qu'on a fait à peu près le tour. Là ça pourrait pas coller. Il est où ce fameux banc là? Il est où ce banc? Ce banc avec ce mur. Là on a un mur aussi, mais là, il n'y a pas de mur au premier plan, et puis il n'y a pas de mur. Ici non plus. Par contre là on a un mur. Un autre mur ici. On a un autre mur, là on a le fameux banc. Là on a un banc. Sauf qu'il n'y a pas de porte en face, donc ça doit être là. C'est là par exemple, c'est pas possible non plus. Est-ce que ce serait là-dedans? Est-ce qu'il y aura un mur avec un banc? Il n'y a pas de... Hop là! Attends, j'ai trouvé là! Enfin, j'ai trouvé... Non, j'ai... Alors, j'ai trouvé le poteau. Je te confirme bien que le truc en bois, c'est clairement en fait une arche en bois, tu vois. Bah, t'es là, t'es devant moi, tu vois. Si tu te mets à droite, tu vois à peu près le blanc, tu vois le mur, mais ça colle pas. Et en tout cas, c'est bien un truc comme ça, tu vois, une structure en bois, là. Comment t'as ça, ça colle pas? Bah, mais toi là, tu verras que le banc est beaucoup trop près. Et puis le mur qui est à droite colle pas. Si si tu te mets à la première personne et que tu te mets à peu près comme ça. Ah remarque, ici là, mais. Tu vois, genre. Bah tu sais quoi, est-ce qu'il y a un tableau ou quoi? Ah bah il y a un tableau, ouais, cherche pas, il y a un tableau. Il y a un tableau. 1689. Et c'est le numéro 3? Pile 100 ans avant la révolution. Numéro 3. 1600. Ouais. 1689. Alors après, il y a des ballons de des couleurs, donc ça c'est relativement facile. Je sais que c'est au milieu du plâtre. 1689, hein, c'est bon? 3? Ah, c'est lutte. Ouais, bah c'est écrit mal parce que j'ai dû mettre mes doigts gras là. On s'en fout, du coup t'arrives à te relire, moi après je m'en fous. Ouais, bah j'ai pas dit. Et donc là, faut aller voir les ballons de couleur. Les ballons de couleur, je sais qu'ils sont par là. Ils sont là, les ballons de couleur, voilà. Donc là, dedans, il devrait y avoir un tableau avec un code. Ah, il y a un code, donc on va pas passer. Je sais pas si tu as vu, mais justement, c'est la boutique qu'on disait tout à l'heure. Là, où t'étais. La Nyakia. Du tableau, alors. La Nyakia, tu penses? Oui. Non, mais là, justement, je te dis, c'est la boutique qu'on parlait tout à l'heure, la Nyakia. Dans des kibales et des potions. Mais sauf qu'on peut rentrer dedans. Par contre, les tableaux sont super bien faits. Je savais pas qu'on pouvait peindre comme ça sur les panneaux. Pour moi, c'est cette vue-là. Comment ça, tu savais pas qu'on pouvait peindre sur les panneaux? Ah, pour les panneaux, sur les panneaux, moi, pour moi, on pouvait que écrire. Ah bah non, tu mets la couleur que tu veux, tu dessines un PNG et tout ça. Ouais, non, mais je savais pas. Tu fais exporter, lui, il regarde quelle est la couleur la plus proche et il te dit, bah c'est telle peinture qu'il faut que tu mettes. Non, mais pour les tableaux, d'accord. Pour les panneaux, je savais pas. Bah c'est un énorme panneau. En fait, il y a tous les formats possibles. Ce qui compte, c'est que quand tu fais ton image, tu exportes bien vers le format que tu as, c'est-à-dire un grand panneau, ouais. Un petit panneau, voilà. Tu peux même le faire sur la Warmap. Oui. Bref, du coup il y en a un petit peu partout. Voilà, pour moi en tout cas c'est ici. C'est-à-dire que là-dedans il y a un tableau quelque part. Et j'imagine que c'est pas dans la Nyakia parce que déjà c'est fermé, puis en plus c'est un joueur. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça. Par contre ici là, la porte est sourde. Je vais juste aller voir le tableau parce que moi j'avais pas regardé le tableau. Ah bon? C'est que maintenant que je t'en inquiète. Non mais c'est pas ça, c'est que toi t'es parti, alors je t'ai suivi. En revanche. Je vois une porte de Hobbit. C'est ça, c'est exactement ça. Là on peut pas sauter, je peux pas aller à l'étage. Donc s'il y a un tableau à l'étage, je peux pas y aller. Hein.
Donc je suis allé par là déjà. Je suis allé par là. Donc, d'ailleurs, donc final, toi, t'as vu les lampions, toi? Ouais, c'est ça. C'est pas ça? Peut-être que je regarde d'ailleurs. Alors, des lampions plus la porte de Hobbit, pour moi, c'est dans le shop de Fiosa. Il y a un autre endroit où il y a des lampions? Parce que moi, je regarde là, mais il y a un autre endroit. Bah, ils sont à vendre, donc ils doivent forcément être là-bas. Ok. Bon, j'ai pas vu qu'ils étaient à vendre, mais autant pour moi. Moi, j'ai regardé assez rapidement, en fait. Ouais. Donc, je te suis. Ouais, il y en a ici. Ah oui. Et par contre, une porte de Hobbit, je sais pas si on va en avoir une dans le coin. J'avoue que j'ai plus le tableau en tête, j'ai regardé vite fait et Retournons le voir, parce que moi j'ai vu sans le... Ah si, attends, non. Alors, attends. Là, il y a toutes les couleurs aussi, mais c'est pas ça. Il était où déjà, le dernier tableau? Il était... Dans la, il dans était, la, tu dans, sais, dans la place, hein. Enchères, La grande place, ouais. Attends, comment on sort d'ici maintenant? Putain, je suis coincé. Là, à gauche. C'est fermé. Ici. Où ça? À gauche. Où ça? Eh ben, tu parles, ça sert à rien de parler, je t'entends pas. Ah bon? Je sais pas pourquoi je t'entends pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est, là c'est là-bas, exact, ouais. Donc j'ai vu un petit peu, voilà, on va pouvoir y retourner. Voilà. Ok, alors. Il y a un tunnel qui est derrière là. On a des lampions et une porte de Hobbit. Non, t'as remarqué qu'il y a une espèce d'escalier devant. Oui, il y a des. On est d'accord. Des fondations en bois avec des escaliers. Ok. Il y a un escalier qui mène à des lampions et il y a une porte ronde, un espèce de gros tonneau au fait au bout. Ouais, alors maintenant que j'ai ça. Comme ça mais bon, c'est juste pour mémoriser. J'en ai déjà vu une comme ça, mais je sais plus où. Alors moi, ça me Par contre, les lampions, ça va nous aider parce qu'on a juste à chercher les lampions et ouais, regarder s'il y a une porte dessous. Il fait nuit, donc en gros, dès que tu as un peu de couleur aussi, tu peux le trouver. Hein. Mm. Putain, il y a un dieu qui est apparu ou quoi là? Il y avait un faisceau lumineux, genre ça, là, c'est la sortie. C'est toi qui l'as croisé? Ouais, c'est moi, c'est moi qui t'as croisé. Si je vais ici, là, y a rien. Par contre, ouais, là, c'est à l'intérieur du cloître. Hein. Oui, c'est à l'intérieur du cloître, ça sort pas. Non, sinon, on s'en sort pas. T'imagines, c'est un endroit précis de la map, mais démerde-toi. Bon courage. Et non, il y en a qui arrivent parce qu'il y a des fermeurs chinois, là, entre guillemets, sans vouloir être raciste, qui nous trouvent des choses. Si je veux en faire une très très dure, ouais, je pourrais le faire sur la semaine, quoi. Faire j'ai un caché comme ça, une petite bouteille quelque part sur la map, bon courage. Ouais. Alors je vous aide. Il y a une belle récompense à la clé. Je vous aide, hein. Elle aide sur un truc qui est vert. Mais elle est verte aussi. Bon courage. Voilà. À l'extérieur, je crois qu'il n'y a rien. Je regarde à l'extérieur, mais je ne vois rien. Et ici, clairement, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de... Donc c'est pas ici. Je regardais ici, mais c'est clairement pas ici. Où c'est que t'as vu ça, toi, des... Là-bas, là, je vois, il y a du bleu, là, dans le bâtiment. Il y a du bleu avec une porte. Yout. T'es où? Là, devant moi, là, regarde. Sans mec. Je disais, là, et là, je suis à peu près sûr que c'est là, en fait, parce que ça correspond... Bah, je suis sur la place principale. De la place principale. Ok. Tiens, bah, je suis devant les lampions de tout à l'heure là. Voilà, tiens ici. Voilà, ouais. Je sais pas. Tu vois le truc bleu là? Devant moi là. Tu vois là? Ouais. Regarde, il y a une fenêtre qui ressemble. Il y a un escalier derrière. Mais par contre, il y a que du bleu. Ah non, sinon... Ouais, mais non, mais là c'est une rosace. Et derrière, de mémoire en plus, il y a une. Là, mais c'est pas une rosace qui est sur le plan? Non, c'est pas. C'est une porte ronde, c'est une espèce une de tout rond, j'avais bois. Dit. T'es sûr que c'est une porte en bois? Ronde. Oui, ça ressemble plus à ça là que à. Mais elle est ronde, c'est une porte de mode. Alors est-ce que je peux quand même aller voir si ça. Excuse-moi, je vais rester dessus, donc j'aurais pas vu. Je vais pas t'empêcher. Donc tu m'as fait venir pour rien. Ah ouais, fallait que je te montre. Non mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas ça. Partout. C'est pas ça du tout. Excuse-moi. Oui. Déjà c'est pas rond déjà ici. Non, c'est pas rond du tout, je te garantis, c'est pas rond. Bon, j'en profite pour visiter un peu les couloirs. De nuit, c'est tombé hyper bien. Au final, ça change aussi un petit peu. Du coup, je vais enlever le HUD. Là, par contre, là. Pourquoi j'avais pas ouvert cette porte là? Oula. Ah, il y a eu un petit. D'accord. Petite save. Ah, il y a eu une save, oui, effectivement. Ouais, avec le serveur qui a beaucoup de. C'est fermé à clé. Là, on avait des douches, mais il n'y a rien du tout qui pourrait indiquer qu'il y aurait des lampions. C'est pas ça. Ici, c'est là où il y a la porte avec le bazar. Non, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. Là. La clé.
Ici on a rien. Ok, ça c'est fait. Ouais, on n'est pas plus avancé là quand même. Hein. Ok, ici là je pense qu'on peut pas y aller. Ici, ça c'est la clé. En haut c'est fermé aussi, je peux vérifier. Parce que là il y a un putain de générateur là ou un truc de champ de forge, je sais pas. Ici, là on peut aller par là, je vais aller par là d'abord. Parce que là on sort. Ok. Là, de l'autre côté, là il n'y a pas. Voilà, là on a une porte avec des cercueils. Voilà, c'est pas. Faut des trucs de fou comme ce serveur. Hein, mais... Ici on a quoi? Ah. On aurait une vue justement. Bien regarder s'il n'y a pas des couleurs. De toutes les couleurs en fait qui pourraient nous dire que. Y'a rien, on est d'accord, y a plein de 1000 couleurs les viewers, on est d'accord hein. Je ne rate rien hein. Je ne rate absolument rien, donc c'est bon, c'est pas là non plus. J'ai trouvé. T'es sûr? Oui. Je suis sûr de moi. Ok, bah je reviens en arrière. Ouais. On zaille. Je viens de chercher. Oh là là! J'ai fait un saut de ninja, je suis sur la place. Yeah, j'arrive. C'était au niveau du cloître de la place centrale ou c'était un peu plus loin? Le shop. Donc je t'attends à la place côté de la le descente. Shop, voilà. Le shop, continue, le shop, le shop. Tu sais qu'ils ont mis le shop, ils ont dû changer avec. Non, 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 continue où t'étais. Reviens, tu me vois. Il y a ça aussi que vous irez voir les viewers. Je ne vous spoil pas, vous irez voir ce que c'est. Ok, oui, vous ferez pause, hein, vous irez lire. Ouais, tout au bout du shop. Hop. Je me suis, hein. Ouais, je suis. Il y avait un autre. Là-bas. Il y avait d'autres là-bas. Options. Ouais, non, mais il y en a à plusieurs endroits, mais. Je me rappelle maintenant que. Ah en oui. Plus, je peux même te dire ce qu'il y a derrière sans être allé voir, c'est que derrière il y a une petite chambre avec un lavabo et tout. Et... Voilà. Ah bah par contre elle a changé. Elle était pas comme ça avant. Non, avant c'était un champignon. Ah oui, c'est vrai, il y avait une maison champignon ici. Oui. 1425. 4. Ouais. 1425. J'en mets comme la lumière, parce que c'est vrai que c'est plus joli que la lumière. Ouais, s'il te plaît. Alors, 1425. On dirait qu'on a une salle d'art où. Ouais. Il y a effectivement il y a des épées là. Il y a une espèce d'estrade, on est d'accord? Ouais, c'est une estrade quand même. Il donne à une espèce de scène en pierre, avec dessus il y a un trône. Alors, et attends, on dirait. Déjà qu'on soit d'accord, c'est une pièce intérieure, parce qu'il y a des trucs au plafond, il y a des chandeliers, il y a des murs de tous les côtés, c'est clairement une pièce intérieure. Ok. Par contre, celle-là, je ne semble pas l'avoir vue en fait. Donc on a une petite estrade. Qu'est-ce que tu vois au fond, toi? Parce que je vois mal ce qu'il y a au fond. À gauche, là, il y a clairement un blason là, avec des épées, ouais. Alors ce que je vois dans la profondeur, c'est que tu vois, il y a l'estrade au premier plan. Ouais. Au deuxième plan, c'est une scène en fait avec des fondations en pierre, on dirait. Ouais. Et dessus, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a un pupitre à droite, un pupitre à gauche, et qu'au milieu, il y a un espèce de bureau avec un siège derrière. Alors, je vois le bureau, effectivement. Enfin, j'ai l'impression de voir le bureau. Le pupitre, je le vois, le pupitre en moitié en rouge, là, sur l'estrade, juste derrière l'estrade. Ouais. Effectivement. Et par contre, sur la droite, tu sais, il y a une espèce de pupitre ou de petit pylône. Je comprends pas. Ouais, il y a une espèce de petit pilier, là, justement, à droite de la plante. Bon. Ouais. Essayons de trouver ça. J'imagine que trois lustres au plafond avec un truc où il y a des épées, là, un bouclier avec des épées. Et une estrade, il n'y en a pas 10 000. Voilà. Par contre, c'est en intérieur. Donc, ça veut dire que là, c'est forcément une pièce intérieure. Donc, j'allais par là, mais je sais pas si c'est forcément le bon plan. Bon, on va aller par là. Alors, le jardin, pour moi, c'est exclu. Faut mieux faire les bâtiments. Ouais, non, là, je pense pas que ce soit dans le jardin. C'est pas fait pour de la vente, ça. Ou alors, si c'est au shop, c'est plutôt côté bureau du shop. Ça a peut-être changé. Bah, ils changent souvent, en fait. Là. Ils font chier, non. En plus. Déjà... Non, c'est verrouillé. J'y déconne. Alors, ça peut être une estrade, ça peut être une table, aussi. Faut se méfier de ça, parce que là, je passe devant les tables, tu vois. Je vois que les tables, elles sont à un peu au même niveau, mais ouais, je pense que c'est bizarre. Ouais. Mais non. L'estrade, c'est sûr que c'est des fondations vides. Mais sur la scène en pierre, ça fait vraiment une table avec une chaise derrière. Trouver la salle. Donc là, je suis dans le manoir de quête. Je pense que c'est pas le bon plan, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir des pièces assez grandes. Ouais. Je vais essayer de passer entre les pièces. Est-ce que là c'est très sympa hein, là. Alors, désolé pour les lags les viewers, je sais ce que je peux, il y a beaucoup de lumière et beaucoup de choses affichées. Donc forcément qu'on descend des fois à 30-40 fps, c'est normal. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il fera jour en plus ça aidera, j'enlèverai la lumière, ça devrait aller mieux. Alors on descend un petit peu dans les fps quand même. Ça passe, c'est mieux là. Moins de structure.
Le jour arrive justement, on s'en est hyper bien. Oula. Ça devrait passer. Ok, ici j'ai rien, moi je vais redescendre. J'ai entendu dans le cloître donc effectivement. T'es dans le cloître actuellement? Bah là ouais, je suis sur les remparts autour. Je fais les portes que je peux ouvrir pour regarder. Je sais pas où rentrer. Donc ici. Je sais pas, c'est très bizarre cette salle là parce qu'il me semble pas l'avoir vu en fait. Là-dedans je suis sûr que non. J'y vais pas mais je suis sûr que non. Là ici, non, c'est juste un petit salon. Ici on peut pas passer hein, de mémoire. Ici il y avait la salle des douches et là-bas c'est fermé. C'est. On vérifie. Voilà. J'ai trouvé. C'est fermé. À la prison. À la prison j'ai pas été encore chaud. La prison, la prison. Alors. Je suis devant l'entrée sur la place. Là je suis là aussi. D'accord, mais tu vois, j'étais pas encore à ce bâtiment là. J'étais pas encore allé ici, ouais d'accord, donc là ça colle carrément, on retrouve bien le blason, ouais, bah ouais. Bien l'estrade. Là il y a tout, il y a la plante, il y a tout. Exactement, donc c'est par là. Il y aurait le tableau qui est là-bas. Voilà. Ah oui, le tableau est là-bas. Est-ce donc 3672. Voilà, et alors là par contre, là on a clairement un bateau. C'est un catamaran qui est à l'extérieur sur le port. Ça y est, ouais, c'est le bateau à moteur. Là il n'y a pas de doute non plus, il y en a deux comme ça en plus normalement. Ouais, par contre attends parce qu'il faut que je change de feuille. 1372, je vais déjà chercher le bateau hein, parce que toi tu trouves tout en attendant mais... Vas-y. Je t'enferme pour que tu ralentisses un peu. Ouais. Bah ça se trouve je vais même arriver avant toi parce que tu vas te perdre. C'est possible parce que je suis déjà mal parti. Je suis très mal parti même. Non, faire le tour, il y a bien un moment où j'ai tombé sur le bateau. Je crois que c'est par là, je crois que c'est par là. C'est où c'est là, ouais, où ça sent bon. Où que ça sent bon. Donc effectivement j'ai fait tout le tour en fait pour rien. Là j'ai fait tout le tour. Là c'est les bateaux. Les bateaux on les a vus tout à l'heure. Ils sont par là. Ça je suis sûr. Les voilà. C'est bon, j'ai les bateaux. On reprend un petit. Ah ce seul là qui déconne. Voilà. Donc nous y sommes. Donc l'image d'ailleurs qui était prise était par là. Pourquoi par là? Donc ça. Je suis tombé à la flotte comme une merde. Bon, j'ai pris un petit bar, j'ai pas, tais-toi. Voilà. Donc là, il y a un petit tableau quelque part. Ah, c'est qu'il est caché, les petits tableaux. Bon, les tableaux sont pas si petits que ça, donc j'imagine que c'est quand même trouvable. Ah bah, moi je le vois. Tu l'as déjà trouvé? Ouais. Ah bah, tiens, moi aussi je le vois. Bah, t'étais où pour le voir? Bah, elle est sur le banc. En dessous. En étant je suis assis sur le banc en dessous. T'as réussi à trouver. Ouais, viens t'asseoir sur le banc en dessous et tu verras attends, que... Attends. Je regarde avant d'aller voir. Donc là, on a une porte, une espèce de tour, et le code, hein, quand même, c'est 29-29. Oui, ça j'avais noté. Hein. C'est bon, 29-29 en fait, je l'avais avant que tu sois arrivé, mais je voulais te laisser chercher. Puis après, tu dis, ouais, tu trouves tout, tu bon. Me laisses rien faire en vidéo. Alors, le suivant, si je dis que je sais où il est directement, tu dis quoi? Eh ben, je te suis. D'accord. T'es prêt? Ça va t'épater, ouais. Hein, parce que je sais exactement où il est. Mais tu es passé, hein, force de courir à droite oui, à gauche. Je l'ai même décrit, donc oui, exactement. Tu m'as dit que sur le banc, on pouvait le voir, le banc en dessous. Ouais, si tu t'assois sur le banc, en dessous. Là, ici, là, tu t'assois sur le banc, et en fait... Ah ouais, d'accord, ok, ouais, ouais. Ouais, t'as pas le code, mais effectivement, tu... Ouais, tu vois. Tu vois le tableau. Donc, le dernier, je sais où il est, je l'ai décrit clairement. Il y a Fusa qui rigole derrière, je sais, elle pouffe de rire. Non, non. Si, je sais. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, c'est pas la tour octogonale, hein, c'est la tour carrée. Hein. Non, 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 t'inquiète pas. Il faut juste que je regarde comment remonter dans cette connerie, parce que je me plante pas. Voilà. Voilà, c'est par là. C'est cette tour-là. Non, mais c'est par là. Regarde, c'est par là. Alors, attends, tu prends le... ici, là. Tu vois où je suis? Attends. Ah ouais, oui, ici, ouais, parce que je croyais que t'étais parti dans les échanges de kip du plat. Ouais. Par là. Là. Ah bien. Et là, tu ouvres la porte. Et boum. Il y a le canon et il y a la douche derrière. T'as vu ça? Ah ah. Voilà. Et là, normalement, dans la douche... Moi, je m'allonge dedans. Attends, oh là, si j'arrive. C'est bon. Mm-hmm. Par contre, tu me permets que je me douche tranquillement? Non. Et il est où ton tableau? Ah, il est derrière. Ah voilà, bien. J'ai cherché aussi, mais tu vois, il est là. Ah, le dernier n'a pas de code.
Ah, attends, attends, pour le trouver, par contre, celui-là. Donc là, on est clairement enfermé. Mon avis, celui-là est compliqué. Il y a une feuille d'arbre. Donc là, en fait, on est dans les arbres. Et c'est clairement un endroit qui est clos. Il y en a plusieurs, des endroits comme ça que j'ai vu. Moi, je dirais plutôt un jardin. Pas à l'intérieur, là. On est à l'extérieur. Mais contre un mur. Parce que là, on voit que c'est ouvert ici. Il y a des... à mon avis, Gadu, cherche, tu sais, le chemin avant la place des enchères. Je crois, j'ai pas trouvé là. Non, ça correspond pas. Je dirais ça, en voyant en fait au-dessus du mur, on voit des arches. Ouais. Et ça correspondrait bien. Ouais. Donc vers les enchères, t'as dit. Ouais, je dirais le mur qui va aux enchères, tu sais, sur un côté. Ah, le mur qui va aux enchères, déjà c'est pas bon. Ah, tu vois, par là, je dirais... Et c'est un bingo, ça? Oh là là, juste en voyant le truc, je sais où c'est. Oh, arrête. Ce serait là, d'après toi? Bah, pour moi, c'est par là, tu vois. Oui, oui, non, parce que t'es comme ça, il y en a plein, mais... T'as remarqué que le mur, il est à droite et à gauche. On est d'accord, enfin, il est à gauche et en face, en fait. Il est pas tout à fait à droite, si je dis pas oui, de conneries. Il est à gauche et en face. Donc c'est quelque chose qui est assez cloisonné, quand même. Et non mais c'est là, hein, Galu. Parce que quand tu regardes depuis... Alors attends, t'es où exactement? Là. T'es où exactement là? Parce que je là, sais là où je suis. Ben là. Ouais. Là. Quand tu regardes d'à peu près là. Ouais. Tu vois, t'as le mur. Et en fait, ce qui me fait dire, c'est que là en haut, tu vois les arches. Le bas des arches qu'on voit à travers cet arbre là. Et de toute façon, là, il y a un panneau avec marqué 1. 1 point. Oui, c'est vrai que c'est un point. Et c'était quoi l'idée c'était quoi la quête déjà? Parce qu'on a cherché les panneaux avec les codes, mais... Faut trouver un lieu caché du cloître. Ouais, c'est ça. On peut rien faire dedans. Pourquoi il y a un point? Pourquoi il y a un point? Pourquoi c'est pas un tout court? Parce que si tu continues, peut-être on aura un 2, puis après un... Oh. Attends, est-ce que ce serait pas un moins? C'est pas un tiret? Un moins? Non, un point. Ok, si les nombres que t'as là, si tu fais le premier ouais. Plus, le deuxième moins, le troisième plus, le quatrième moins, ça donne quoi comme résultat? Tu voulais pas les noter pour faire des trucs comme ça? Un moins, un point. Non, ils n'auraient pas cherché un truc tordu comme ça. Alors, un ils n'auraient peut-être pas cherché un truc tordu, en tout cas là, regarde. Tu vois au-dessus, on nous regarde. Un point. Eh? Quoi? Il y a une porte là ou c'est moi? Ah, c'est possible. Il existe des passages secrets. C'est KF qui ressemble à un mur. Là, c'est une porte. Ouais, d'accord, il y a une porte là. Il y a non. Un point. Un point quoi? Non, pas. Elle est pas là la porte, Galu. Elle est là. Tu la vois pas? Non. Là, là. Ah. Tu vois pas la porte? Mais sauf que là, il nous faut des chiffres. Mm. Sauf qu'il nous faut des chiffres. On a quoi comme code? On a combien? Il y en a 4, c'est ça? Alors. On a 5678. Donc non, mais il y en a combien? Il y en a combien en nombre? Non, mais laisse tomber. Bah, le c'est 5, 6, 7, 8. Bah le, oui, c'est un 6, point, 6, 7, ça veut dire on prend le premier et puis c'est tout. Et c'est ça. Allez, roule ma poule. Ah, là on a 2 points maintenant. Ah, le code est là, c'est bon. C'est quoi le deuxième code? Ouais. 4, 2, 1, 5. Ok. Ici. C'est le 3? Là, ici. 1, ouais. 6, 8, 9. Ah ça c'est sympa de remettre tous les codes parce que du coup tous voilà. Ceux qui se sont dit ouais oh, on va le faire vite et tout. Ouais, bah, le quatrième le coup. Vas-y. 1425. Ok, et le 5? Et il y a un 6 aussi après. 3672. Ouais. Et le dernier 29. Voilà. Oh! Oh, c'est cosy, il y a de la bière! C'est ce que j'allais dire. Ça fait un petit club. Bienvenue au club, il y a des lapins bleus. Comme quoi,
Ça, c'est pour toi, ça, les lapins bleus, non? Ouais, exactement ça. Club des lapins bleus. Bah, toi, c'est le club des lapins tout court. Au club des lapins bleus. Vous avez trouvé le lieu secret du cloître. C'est pas mal ici, Yannéo, t'as vu ça? Et on peut prendre une carte d'abonnement pour pas avoir besoin de remettre tous les codes la prochaine. Comment ça, très joli? Mais TVH, il sait même pas de quoi on parle. Top. C'est sûrement très joli. Je comprends bien, c'est très 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 joli, y'a aucun problème. Ah, j'aurais pu te streamer mon écran à TVH. Ah, c'est pas grave, je verrai en vidéo. Ouais. C'est ça. Donc là, je prends pas mal de spots justement pour nos amis les viewers, pour bien que vous voyez justement comment ça se présente. Moi, j'ai des petits bugs d'affichage malheureusement avec les poissons, etc. Donc du coup, ça me pourrit un peu l'image. Ça qui est un peu con, mais tant pis. Tu vois pas le poisson ? Là, ici, là, je vois clairement un reflet dégueulasse du poisson. Ah, c'est pas très net les blocs. Le reste, sinon, y'a pas de problème. Le reste, c'est très joli, y'a aucun problème. Voilà. Si je me mets là, c'est magnifique. Regardez, même des poissons derrière ici. Et voilà. Ah oui. Bref, donc comme vous avez vu les viewers, bah là il y a des choses à voir hein, sur le serveur, je ne savais même pas qu'il y avait tout ça, donc félicitations, parce que c'est vrai que c'est magnifique ce que vous avez fait. Bah ça existe quasiment depuis le début du serveur, mais ouais, peu mais de gens connaissaient. Bah voilà, moi je ne savais pas. En tout cas c'est magnifique, voilà, clairement. Donc du coup, je repasserai peut-être pour faire une petite ambiance boîte de nuit, il faudra un DJ et tout, là tu vois là-bas, là, c'est exceptionnel. Et bah du coup c'est parfait, donc du coup on a encore validé une quête, donc 1200 kips. Oui. Par contre, il va falloir t'en taper tous les codes. Tu veux que je retape quand même pour faire les portes au fur et à mesure ? Je vais le faire après. T'es sûr ? Parce que sinon, je peux la fermer. Oui. Moi, j'ai j'ai dernier. Tu vois, j'en ferme mute, là, je m'en fous. Puis, Il va devoir en taper tous les codes. Bah, oui, c'est vrai. C'était bien 29-20, le dernier. Tu passes, mute ? Oui. Non, mais moi, je vais faire l'as, vas-y. Suis Fiosa, je vais toutes les fermer en fait une par une. Parce que moi, je fais l'as, c'est comme ça, problème aller. Ok. Ouais, bah, moi, ça peut pas foirer. C'est à moi. Ça évite à Fiosa. Ah, celle-là, il passe pas. Ah oui, parce bah que c'est que le dernier code que t'as tapé. Bon, vas-y, redonne-moi le 5. Je vais te les fermer, Gazu. T'es sûr ? 36-72. Ouais, ça marche même pas. Non, t'inquiète, je vais le faire. Eh, pardon ? Ouais, je te dis, ils marchent plus les codes. Ils sont rouillés. Je pense que c'est foiré. Bah, de toute façon, il y a des fois, ça déconne. Les viewers, si vous avez un problème quand vous faites des quêtes, posez bien la question au staff si c'est pas buggé. Parce que des fois, ça vient pas de nous, hein, c'est pas le serveur, c'est le jeu qui déconne en fait en soi, donc on fait comme ça, on fait avec. Parfait, bien, on a super bien avancé. Je sais pas si on aura le temps de faire une autre quête ou pas, si vous êtes chaud. Ouais, on peut. Fiosa, est-ce que t'aurais une autre petite quête pour nous ? Ouais. Alors, j'ai. Il reste la pirate, je crois. Il reste la pirate et puis pas la livraison de cargaison mais qui est ouais celle au bout de la map c'est ça pas terrible bah ouais. Nous on va faire que pirate alors voilà c'est parti ouais. On essaye pirate go maintenant et je lis le bouquin qui dit la chasse au trésor. Un pirate est venu dormir au cloître la nuit dernière. Allez vérifier dans la table de nuit à l'étage dans la chambre des visiteurs, vous y trouverez une carte au trésor. Suivez les indices et trouvez le trésor. Compétences requises, logique et réflexion. Récompense 1200K, donc c'est une belle récompense quand même. J'imagine que c'est aussi parce que c'est une carte au trésor, donc il y a un trésor. Donc du coup, il y a quand même un montant qui est en cohérence avec le trésor quand même. Du coup, table de nuit, il y a une carte au trésor. Pardon. Tu l'as eu ? Non. Ah, elles sont verrouillées toutes les deux. Ah, pardon, bah j'arrive. C'est parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. Bah oui, c'était celle de la semaine dernière, forcément vous avez reverrouillé derrière, donc ouais. Ça me paraît tout à fait évident. En tout cas, magnifique, en tout cas j'aime beaucoup, hein. Même si voilà, il a fait un petit peu de nuit les viewers, on n'a pas remis le jour, vous avez vu, pour rester un maximum RP et pour pas justement pourrir le serveur. Enfin pourrir entre guillemets, parce que en général les joueurs ils aiment bien quand on met le jour, c'est quand on met la nuit qu'ils aiment pas. Je vais peut-être vous mettre deux journaux, du coup, un chacun. Ouais, bah si tu as, les indices chacun sont plus dedans. Et une boussole chacun. Ah bah comme écoute ça, ouais. Moins, vas-y. Vous aurez chacun voilà. Normalement il n'y en a que un les vieux hein, je précise hein. Donc c'est les deux mêmes textes, il hein, n'y a pas besoin de. Normalement oui c'est les deux mêmes textes. C'est parti, la carte au trésor, la voilà. C'est pas ça, excusez-moi. La voilà. Entrée du sud. Entrée du cloître sud. Souche d'arbre est. Souche d'arbre sud. Rocher ouest, souche d'arbre sud-ouest, bord de l'eau est. Deux rochers égale trésor. Donc à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est à l'entrée du cloître, on regarde au sud, on marche jusqu'à une souche d'arbre, là on regarde à l'est, et ainsi de suite. T'es d'accord avec ça ? Oui, c'est ce genre de truc, ouais. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Y a pas de nombre de pas, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Je te prends la porte à la tronche.
Ouais, j'ai voulu le faire au nombre de pas, mais c'est compliqué. Bah oui, suivant les personnes, puis un pas, c'est quoi? Ouais, parce qu'on voit même pas le pas en fait qu'on fait, donc et si on fait un demi pas, qu'est-ce qui se passe? Suivant la vitesse, le pas est différent. Ouais, le cloître, attends, d'où c'est quoi le cloître pour toi? C'est ça l'entrée du cloître. Ouais, mais attends, c'est de l'extérieur ou de l'intérieur? On va dire l'extérieur? Allez, on va dire ça. Ouais, c'est là. Bah, de toute façon, tu vas te rendre compte que le sud, c'est. C'est sud forcément. Sud. Alors attends, forcément sud, partir vers l'extérieur, donc ça aurait été pareil. Donc là, c'est tout droit, là, on est d'accord? Tout droit, attends. En face, oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut regarder. Le, on est d'accord, le nord c'est le côté bleu, on est d'accord, ok. Déjà parce qu'ils sont. T'es d'accord. Là tu dérives un peu pour moi, Yuta. Ouais ouais. Pour moi c'est là où je vais là, tu vois. Plein sud. Le prochain c'est souche d'arbre, hein, c'est ça? Ouais. Là pour moi j'ai là, je vais là. Tu vas voir que de toute façon on va arriver, tu vois, elle est là. Ouais, il y en a qu'un. Ouais. Oui, je viens de me rendre compte qu'il y a un souci, il manque des souches d'arbres. Quelqu'un les a détruits? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux juste nous dire où est la souche d'arbre, où c'est qu'elle devrait être à peu près? Ouais, parce que. Ici. Y a quelqu'un il y en qui a deux souches d'arbres qui ont des trucs qui ont été détruits. Il y en a une. Ici, normalement, il y a des souches. Voilà. Ok, on va dire ça. Ok. Bon. Merci de le on préciser. On va partir à l'est. Dans la merde. Et la deuxième, du coup, bah. Donc là, faut aller effectivement à l'est. Jusqu'à la souche d'arbre. La souche d'arbre, pardon. Elle est là, la deuxième? Elle est à peu près là, ouais. Ok. On va dire, j'enlève ma... Elle va direction le sud, alors. Excusez-moi, j'enlève... Voilà, la torche, ok. Jusqu'à quoi? Jusqu'à... Au sud, t'as dit? Donc, ok, sud jusqu'à la souche. Est jusqu'à la souche. Bah, c'est la souche qui est là-bas, regarde, celle-là. Non, jusqu'au rocher. Ah bah, c'est le rocher qui est à côté, c'est pas grave. Alors, fais regarde, parce que c'est là qui ferme le rocher, du coup, ça marche plus. Ouais, d'accord, c'est ouais, sûr, jusqu'à la souche. Ok, donc jusqu'à la souche. Voilà. Souche d'arbre sud. Là, je viens d'aller au rocher. Au rocher est. Ouest, pardon, ouest. Et sud-ouest, jusqu'à bord de l'eau. Donc le ouest, attends. On est d'accord, c'est là. Si le nord est à ma droite, forcément, c'est par là. Donc là, il y a souche d'arbre encore. C'est ça qu'on avait dit? Souche d'arbre, et donc là c'est sud-ouest au bord de l'eau. Donc sud-ouest. Donc là, si on est comme ça, si oui, là-bas c'est le nord, le sud-ouest est forcément derrière nous. C'est débile en fait. Jusqu'au bord de l'eau. J'arrive pas à lire une boussole, moi c'est très con en fait, mais. Non mais c'est vrai. Parce que je vois bien que l'aiguille elle vise vers le nord. Donc je vois où est le sud-ouest. Le sud-ouest il est. Bah, il est derrière nous en fait. Il est là en fait. Le rocher égale 13. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ouais. Normalement, on n'est pas censé tourner la boussole, tu sais, pour dire bah le nord, du coup, il est là, du coup, le sud-ouest, il est là, tu vois. Parce que là, du coup, c'est le sud que j'ai en face de moi. Le sud-ouest est. Bah, c'est là, en fait. Ouais, le sud-ouest, il devrait être là, en face de moi. J'ai une connerie. Je sais pas, vas-y, tu verras bien. C'est par là. Bah, pour moi, c'est par là qu'il faut aller. Donc là, jusqu'au bord de l'eau. Voilà. Bah, là où t'es, voilà, c'est ça, ouais, je confirme. Ah ici, là on est au bord de l'eau, et là, c'est bord de l'eau est. Est, si on veut que... Tu vois, c'est pour ça que j'arrive pas à lire une boussole. Si on veut qu'on soit à l'est, en fait, là c'est l'ouest, donc l'est est là-bas. Voilà. Sauf que moi, j'ai arrivé au bord de l'eau ici. Où ça? Ben, un petit peu plus avant. Et du coup, les deux rochers, moi, je les vois ici. Bah moi, là, il y a deux rochers là, tu vois, regarde là. Ouais, va voir, peut-être que c'est ça. Bah comment on sait si c'est là ou pas? Ben il y a peut-être un petit coffre au trésor. Faut casser les rochers tu penses? Les rochers non mais peut-être ramasser l'herbe. C'est peut-être pas un coffre. C'est peut-être plus petit qu'un coffre. Ah ah! Il y avait un truc plat là mais c'est pas ça. Ouais attends. Une petite bouteille, elle a caché une petite bouteille. Je suis sûr qu'elle a caché une petite fruerie encore. Ah mais presque. Ah, c'est des rochers qui... Alors c'est bien parce que du coup on ramasse l'herbe sans casser les cailloux. Ça on est sûr de pas casser le décor. Moi ça a repoussé, le problème c'est que si quelqu'un d'autre le fait juste après nous. Bon je pense que ça va repousser. Non là y'a plus personne qui l'a fait celle-là. Ah bah oui parce que c'était la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. T'as quelque chose ou quoi, Yout? Bah attends, j'arrive pas à choper l'herbe. J'allais chercher la tondeuse là. Bah moi je cherche un peu là, je cherche là dans le tas. Hein. Alors du coup je peux ramasser la boussole.
Est-ce qu'on est déjà au de bon rocher? Parce que ce n'est pas au de bon rocher. Hein. Bah, elle va pas le dire. Non, mais attends. Fais ce que tu as trouvé. Moi, je vais venir là. Là où moi, j'ai trouvé. Ouais, exact. Ouais. Pour voir justement comment j'ai pu y arriver. C'est possible, parce que j'ai fait un peu à l'arrache. Et je pense que j'ai fait trop à l'arrache. Ah oui, clairement, ouais, t'as fait à l'arrache parce que c'est ici. Ah bon? Ouais. T'es où là, du coup, là? Oh, trop cool. T'es où? Ah, t'es là. Ouais, bah ouais, peut-être que j'ai un peu dérivé, ouais, ou peut-être que j'ai mal vu le côté, bref, le taux d'orientation. Donc du coup, on a quoi dedans? Un muffin. Pour les moutons? Non, un muffin. D'accord, ok. Décoration, c'est une décoration qui peut être d'accord. Donc ça, c'est le mode, ça, j'imagine. Oui. Ah. Oui, le mixing bowl, ouais, il sert à faire de la nourriture. Tu prends le muffin, tiens, là, je l'ai donné. Ah ouais, moi aussi, j'ai déconné. Bon, donc du coup, voilà, c'est... Donc on a un muffin, donc, je suppose qu'on te ramène le muffin. On l'a laissé où il était, Fuseur, on l'a pas... Bah, vous pouvez le ramener, de toute façon, il est terminé. Ah oui, c'est vrai, tu vas me dire, oui, ça. Bah, Youth, tu peux le ramener, s'il te plaît. Je suis sur la route, moi. Sur la route. Bah, faut que j'attende 8h35 que tes trucs débloquent, sinon je les récupère. Oui, bah non. J'ai d'après, merci. Oh, alors touché, là, par contre, je suis autre part là, je suis dans une arène, je pense. Oui, il y a l'arène à côté, à côté du plâtre. Voilà, donc ça aussi, il y aura des events, les viewers là-dedans. Hein. Garantie. Bref, on peut pas retourner au cloître de toute façon, parce que c'est juste pour te dire qu'on l'a, mais tu étais avec nous pour nous le dire. On va peut-être pas retourner. Du coup, je suis enfermé là dans le. What? L'arène, en fait, visiblement, il y a une porte qui était ouverte, puis les autres portes elles sont fermées. Oui. D'accord, donc je suis coincé à l'intérieur. Non mais sinon au pire, c'est pas grave, on se laisse ici, voilà, comme ça en même temps c'est pas plus mal, parce que certainement qu'il y aura un event là-dessus, j'espère en vidéo, peut-être même le prochain, ça pouvait être cool. À confirmer quand même, et puis bah merci à Fusa du coup pour ces 4 events, je vous rappelle que chaque event il y en aura 3 par semaine, donc bah déjà le temps que j'ai publié la vidéo, déjà il y en aura eu plusieurs semaines déjà qui seront écoulées. Pour tous les viewers, hein, pour tous les joueurs, n'hésitez pas non plus à aller voir le cloître, pour voir s'il y a des nouveautés, hein, comme vous avez vu, moi-même je découvre des choses, parce que je suis pas sur le serveur H24, très loin de là, et du coup à chaque fois ça change un peu. Vous n'hésitez pas, si vous voulez proposer des idées, faire des événements, etc., il n'y a aucun problème, hein, le staff est là, est à l'écoute, et potentiellement il vous aidera à faire votre event. Donc n'hésitez pas à proposer des idées, en tout cas c'est toujours intéressant, et le plus important, n'hésitez pas à passer sur TeamSpeak. Puisque les informations du site web et du forum, elles sont aussi sur TeamSpeak, et c'est comme beaucoup plus facile et important de parler aux membres du staff ou même aux joueurs qui sont avec vous que de lire en fait simplement et de jouer solo dans son coin en lisant uniquement le forum et le site web. Donc vous n'hésitez pas à passer, c'est le plus important. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Parfait. Bah, merci hein, Fiosa en tout cas pour ces événements et puis, on va dire pour tes idées, enfin, pour, comment on dit ça? C'est pas le bon terme. Ta créativité. Ta créativité, voilà, c'est ça. Parce que moi j'arriverai pas à le faire personnellement. Je suis pas assez créatif, je sais faire d'autres trucs, mais pas ça, tu vois. Donc, bravo, en tout cas, c'est magnifique, et je prends toujours un plaisir, un grand plaisir à faire ces petits événements. Du coup, on se laisse, et on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Et bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.